Le message du frère Théodore en cette 17e nuit de la croisade a pris la forme d'un partage de cœur à cœur. Tout d'abord, il a commencé par encourager les saints à planifier l'année prochaine, étant donné que nous sommes entrés dans les deux derniers mois de l'année. Il a expliqué que ce qu'il faut faire, c'est chercher la volonté de Dieu et la faire. En effet, le Seigneur se présente dans Ésaïe 48, verset 17, comme le Seigneur qui nous enseigne comment profiter et qui nous montre le chemin à suivre. Le leader a ensuite exhorté les saints à craindre le Seigneur et à ne pas être intelligents à leurs propres yeux. En fait, il leur a demandé d'apprendre à s'insulter eux-mêmes et de faire face au fait que chaque fois qu'ils se sont appuyés sur leur propre sagesse, ils se sont trompés. La voie à suivre consiste simplement à demander la volonté de Dieu et la faire. Après un court temps de prière pour le jeûne et ceux qui le pratiquent, le leader a exhorté les frères à la persévérance face à la persécution. À la lumière de 2 Timothée 3, verset 12, il a établi le fait que tous ceux qui veulent vraiment exceller ou plaire à Dieu dans quelque chose seront persécutés parce que l'excellence et la piété appellent la persécution. Il a étayé cela avec la persécution de David par le roi Saül, expliquant que Saül a inventé toutes sortes d'excuses. Mais la vérité est que Saül a persécuté David parce que David avait Dieu qui l'avait perdu. Et cela s'applique à beaucoup d'autres domaines de la vie. Pourtant, le problème n'est pas la persécution, mais la tendance à abandonner. En effet, la persécution est un témoignage de l'enfer que ce que vous faites dérange l'enfer. Par conséquent, avant la persécution, la meilleure chose à faire est d'exagérer ce que vous faites. Le dirigeant a ensuite encouragé les saints à s'inscrire à l'école de la souffrance afin qu'au moins quelques lignes soient écrites dans leur livre de souffrance au paradis. En fait, comme le dit l'apôtre Paul dans 1 Pierre 4, verset 13, « Si nous participons aux souffrances du Christ, nous nous réjouirons aussi à la révélation de sa gloire. » Il a toutefois mis en garde contre les souffrances dues au péché ou au fait de se mêler des affaires d'autrui. Le frère Théodore a ensuite révélé qu'il existe des persécutions qui surviennent lorsque vous êtes sur le point de faire une percée. Ce type de persécution a été vécu par Néhémie au chapitre 6. Néhémie a subi des intimidations de la part des non-croyants qui ont exercé une pression politique sur lui en transformant leur interprétation personnelle et leurs soupçons en des histoires qu'ils ont présentées comme vraies. L'intimidation spirituelle de la part de personnes qui utilisent le langage spirituel pour l'intimider et l'empêcher de mener à bien son projet. Et enfin, l'intimidation de la part des co-dirigeants déloyaux qui ont établi un réseau de relations compromises et qui le mettent à l'épreuve. Mais comment Néhémie a-t-il géré toutes ces intimidations? Il n'a pas essayé de persuader les gens de son intention. Il n'a pas non plus essayé d'écouter toutes les prophéties qui lui semblaient favorables. Il a fait une chose. Il s'est concentré sur ce qu'il avait à faire. Il a terminé la construction de la muraille en 52 jours. Il a réussi. La session s'est terminée par la prière qu'à ce moment du ministère, comme pour Néhémie, le Seigneur tourne toute notre attention vers le but. Tel était le contenu du message de cette 17e nuit de croisade, RTVC. If there is any domain in which you really want to please God, s'il y a un domaine quelconque dans lequel tu voudrais vraiment plaire à Dieu, if you start making progress in that domain, si tu commences à faire du progrès dans ce domaine, you will be persecuted. Tu seras persécuté. Excellence calls for persecution. L'excellence appelle la persécution. Godliness calls for persecution. La piété appelle la persécution. All who want to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. God allows it. Dieu permet cela. God allows all those persecutions. Dieu permet toutes ces persécutions. God allows all those mockeries. Dieu permet toutes ces moqueries. God allows it. Dieu les permet. Because parce que godliness is not for congratulation. Piété, ce n'est pas en vue d'être félicité par les autres. La bonté pour être vraiment bon doit être intrinsèquement bon. Donc si c'est parce que c'est les autres so applaudissent que tu continues à être ce que tu es, tu ne fais pas vraiment bon. Parce que tu as une bonté applaudie.
jalousie est stupide. The wise thing to do is to seek the will of the Lord and do it. La chose sage à faire, c'est de chercher la volonté du Seigneur et de la faire. Bible says, la Bible dit, do not be foolish. Ne soyez pas insensé. But understand what the will of the Lord is. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Brother Theodore's message on this 17th night of the crusade took the form of a heart-to-heart sharing. First, he started by encouraging the saints to plan for the next year, given that we have entered the last 2 months of the year. He explained that what one should do is to seek the will of God and do it. Indeed, the Lord introduces himself in Isaiah chapter 48 verse 17 as the Lord who teaches us how to profit and who shows us the way to go. The leader further urged the saints to fear the Lord and not be smart in their own eyes. In fact, he called them to learn to insult themselves and face the fact that every time they leaned on their own wisdom, they messed up. But it's simply to ask God's will and do it. After a short time of prayer for the fast and those who fast, the leader exhorted the brethren on perseverance before persecution. In light with 2 Timothy chapter 3 verse 12, he established the fact that all who want to really excel or please God in something will be persecuted, because excellence and godliness calls for persecution. He substantiated this with the persecution of David by King Saul, explaining that Saul invented all sorts of excuses. However, the truth is that Saul persecuted David because David had God and he had lost God. And this applies to many other domains of life. Yet, the issue is not persecution, but the tendency to give up. Indeed, persecution is a testimony of hell that what you are doing is disturbing hell. Therefore, before persecution, the best course of action is to exaggerate what you do. The leader further encouraged the saints to subscribe to the school of suffering so that at least there will be a few lines written in their suffering books in heaven. Actually, as the Apostle Peter says in the book of 1 Peter, chapter 4, verse 13, as we participate in Christ's suffering, we shall also overjoy when his glory is revealed. He, however, warned not to suffer because of sin or for mingling with other people's business. But Theodore then disclosed that there are persecutions that come when you are about to have a breakthrough. This type of persecution was experienced by Nehemiah in chapter 6. Nehemiah suffered intimidation from 3 different people, from unbelievers who exerted political pressure on him, turning their personal interpretation and suspicion into stories that they presented as true. Spiritual intimidation from people who used spiritual language to intimidate him against his project. Intimidation from disloyal co-leaders who have established a network of compromised relationships and who put him to the test. But how did Nehemiah handle all these intimidations? He did not try to persuade people about his intention. Neither did he try to listen to all the prophecies that sounded good for him. He did one thing. He focused on what he had to do. He finished building the wall in 52 days. He succeeded. The slot was closed with prayer that at this moment in the ministry, like with Nehemiah, the Lord would turn all our attention to the goal. Ta réputation sera intacte. Dis amen. Amen. Fini le mur, tous les prophéties vont être accomplies. Amen. Fini le mur. Et obligé de ramasser toutes ses relations et toute son infiltration et gérer tout son réseau de dirigeants déloyaux autour de toi. Cependant, les rencontres passent à mesure que les besoins grandissent.
et que nous assumons nos responsabilités, nos capacités et nous étirons. Par exemple, ce dont vous avez besoin pour votre famille n'est pas suffisant pour porter une église de maison. Ou ce dont vous avez besoin, est-ce que le leader d'une ville n'est pas la même chose dont vous avez besoin pour porter une église? Toutes les richesses infinies dont nous avons besoin à tous les niveaux sont disponibles dans le Christ Jésus par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Pour étayer cette vérité, le Père Théodore a donné quelques exemples frappants d'hommes dans la Bible qui ont puisé dans les provisions illimitées de l'onction du Saint-Esprit à tous les niveaux de besoin et de responsabilité. David, des bergers à serviteurs, commandant, maître, roi, est devenu un architecte national, un ingénieur de la quantité recevant directement du roi de Dieu. Que dit de Josué, esclave, serviteur général, chef d'Israël et enfin jumelle, espère qui a réalisé une œuvre originale. Que dit de Joseph, enfant gâté, esclave, gestionnaire de fortune, prisonnier, premier ministre et enfin génie de l'économie, qui n'avait pourtant aucune formation formelle, seulement l'onction de Dieu. Le leader a continué à montrer les possibilités immenses, inimaginables et illimitées du Saint-Esprit. Le prophète Isaïe, par exemple, était remarquable par sa connaissance de la cosmologie, de la botanique et de la géographie des nations. Ça n'est pas mal. Ça n'est plus analphabète de tous les prophètes, comme si c'est un fier lui-même, un fermier qui avait une connaissance inhabituelle de la cosmologie, des pléiades et des constellations. La chair et le sang ne peuvent servir le royaume de Dieu, soumis encore le leader. Moïse, avec tous ses privilèges et son éducation en Égypte, a essayé et a fini par devenir un maître fugitif. Ce n'est qu'après une rencontre avec l'Esprit de Dieu où il a reçu des dons pour diriger qu'il a pu servir Dieu. De même, après 3 ans et demi de formation au pied du maître, voyant son propre modèle de vie, l'apôtre est resté querelleur et égocentrique, bien qu'il ait abondamment enseigné les gens. Une façon de dire que l'enseignement ne détournera jamais les gens de leur égocentrisme. Ce n'est qu'après avoir reçu le Saint-Esprit qu'ils ont été capables de devenir des témoins. C'est la rencontre avec le Saint-Esprit qui rend capable. Et chaque rencontre avec le Saint-Esprit nous transforme et laisse quelque chose de Dieu en nous. Il peut s'agir de la gloire, de la puissance, de la présence. Le frère Théodore a ensuite expliqué les différentes formes de rencontres du croyant avec le Saint-Esprit. Premièrement, le Saint-Esprit est le Seigneur de Dieu. J'espère que notre nomination est déjà pour avoir été le plus privilégié d'entre les enfants d'Israël, grâce à l'étude entière de communion des gars et les transmettre à notre esprit, de sorte que nous sommes forts dans notre esprit. Et comme nous sommes forts dans notre esprit, Jésus devient réel et rien ne nous est impossible, car vivre la foi devient facile. Toutefois, ce sont les péchés de l'esprit, notamment la jalousie et l'amertume, qui étouffent le Saint-Esprit. Les documents que Dieu lui-même a écrits. Le Saint-Esprit est aussi Dieu qui habite l'Église, sa maison qui lui est accessible grâce à une matrice de relations. Une bonne relation avec Dieu et une bonne relation avec Dieu. Lorsque ces conditions sont remplies, Dieu entre, habite et se déplace dans sa demeure. En s'appuyant sur Éphésiens 5, versets 18 à 20, le leader a ensuite décrit ce à quoi ressemble le fait d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Dans le monde des dons et des manifestations du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord la manifestation des dons, mais une personnalité transformée. Une personnalité qui rayonne de joie et de positivité. Une personnalité qui est positive dans ses interactions avec les autres. Une personnalité qui entre facilement en relation avec les autres. Levant le voile sur la personne du Saint-Esprit, le frère Théodore a révélé que l'expérience du Saint-Esprit comporte une composante intérieure et une composante extérieure. La composante intérieure transforme notre personnalité et comprend être scellé, l'esprit intérieur, être continuellement rempli, être plein et être possédé par le Saint-Esprit. La composante extérieure est pour le service et elle inclut le baptême du Saint-Esprit, le fait d'être revêtu de la puissance, l'onction ponctuelle sur tout ce que vous faites, les manifestations et les démonstrations de l'Esprit et le fait d'être dans l'Esprit. Ces deux composantes doivent être continuellement développées à préciser le leader. Tel était le contenu du message de ce 16e livre de croisade de prière et de jeûne, RTVC. La jalousie est stupide. The wise thing to do is to seek the will of the Lord and do it.
La chose sage à faire, c'est de chercher la volonté du Seigneur et de la faire. La Bible dit, ne soyez pas insensés, mais comprenez quelle est la volonté. Brother Theodore's message on this 17th night of the crusade took the form of a heart-to-heart sharing. First, he started by encouraging the saints to plan for the next year, given that we have entered the last 2 months of the year. He explained that what one should do is to seek the will of God and do it. Indeed, the Lord introduces himself in Isaiah chapter 48 verse 17 as the Lord who teaches us how to profit and who shows us the way to go. The leader further urged the saints to fear the Lord and not be smart in their own eyes. In fact, he called them to learn to insult themselves and face the fact that every time they leaned on their own wisdom, they messed up. But it's simply to ask God's will and do it. After a short time of prayer for the fast and those who fast, the leader exhorted the brethren on perseverance before persecution. In light with 2 Timothy chapter 3 verse 12, he established the fact that all who want to really excel or please God in something will be persecuted, because excellence and godliness calls for persecution. He substantiated this with the persecution of David by King Saul, explaining that Saul invented all sorts of excuses. However, the truth is that Saul persecuted David because David had God and he had lost God. And this applies to many other domains of life. Yet, the issue is not persecution, but the tendency to give up. Indeed, persecution is a testimony of hell that what you are doing is disturbing hell. Therefore, before persecution, the best course of action is to exaggerate what you do. The leader further encouraged the saints to subscribe to the school of suffering so that at least there will be a few lines written in their suffering books in heaven. Actually, as the Apostle Peter says in the book of 1 Peter, chapter 4, verse 13, as we participate in Christ's suffering, we shall also overjoy when his glory is revealed. He, however, warned not to suffer because of sin or for mingling with other people's business. Brother Theodore then disclosed that there are persecutions that come when you are about to have a breakthrough. This type of persecution was experienced by Nehemiah in chapter 6. Nehemiah suffered intimidation from 3 different people, from unbelievers who exerted political pressure on him, turning their personal interpretation and suspicion into stories that they presented as true. Spiritual intimidation from people who used spiritual language to intimidate him against his project. Intimidation from disloyal co-leaders who have established a network of compromised relationships and who put him to the test. But how did Nehemiah handle all these intimidations? He did not try to persuade people about his intention. Neither did he try to listen to all the prophecies that sounded good for him. He did one thing. He focused on what he had to do. He finished building the wall in 52 days. He succeeded. The slot was closed with prayer that at this moment in the ministry, like with Nehemiah, the Lord would turn all our attention to the goal. Finis au mur, ta réputation sera intacte. Dis amen. Amen. Finis au mur, toutes les prophéties vont être accomplies. Amen. Finis au mur. Et obligeable de ramasser toutes ses relations et toute son infiltration et gérer tout son réseau de dirigeants déloyaux. Autour de toi, finis simplement le but.